Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swarculo Mike et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Call of Duty World War 2 Nazi Zombie. Donc c'est une vidéo assez spéciale, c'est pour vous montrer tous les prestiges de World War 2 en zombie. Donc il y a eu le jeu qui est sorti sur PC, ils ont bien sûr décodé le jeu, enfin je sais plus comment ils ont fait, ils ont crypté, ils ont eu toutes les informations qu'ils voulaient. Sur le PC, donc ils l'ont craqué, on va dire, ils ont craqué le jeu. Et là, je peux vous montrer tous les prestiges du zombie. Donc, je les ai pas numérotés, mais je vais vous les montrer avec ma souris. Là, vous pouvez voir ma souris. Donc, le premier, c'est celui-là. Ça, c'est prestige 1. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 11 prestiges. Mais de toute façon, je vais vous l'expliquer. Donc, ça, c'est le prestige 1. Ça, c'est le prestige 2. Et ça, c'est le prestige 3. Donc il faut savoir que Johnny m'a dit une information qui se fut réelle. Et franchement, il a bien remarqué ça, franchement, félicitations à lui, je mettrai sa chaîne en description comme d'habitude. Dédicace à toi poto, tu gères. Alors, ce qui m'a fait remarquer, c'est que là, le prestige 1, ben, c'est un rond, tout simplement. Le prestige 2, il y a deux ailes, tout simplement. Le prestige 3, il y a trois pics, voilà. Le prestige 4, il y a quatre barres. 1, 2, 3, 4, etc, etc. Donc ça, c'est le prestige 5, il y a 5 barres. Ça, c'est le prestige 6, il y a 6 petites barres ici. On peut même dire qu'il y a 6 trucs rouges aussi là. Voilà. Ça, c'est le prestige 7, il y a 7 pics. Vous pouvez les compter, il y en a 7. Ça, c'est le prestige 8, U8, je pense que j'ai bien dit, j'espère. Donc là, on peut voir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pics. Alors le prestige 9, je le comprends pas trop parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors il compterait le milieu pour le 9e. Donc ça fait 8 pics et un rond pour le 9e. Et le prestige 10, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc ensuite, quand vous aurez passé le prestige 10, là vous allez arriver au prestige master. Donc c'est le dernier prestige qui est celui-là. Donc on peut voir avec la... la terre dans le rond, donc plusieurs petites pics et tout ça. Donc voilà, franchement, c'est le plus stylé. Moi, personnellement, moi je vais vous dire ce que je préfère. J'ai bien aimé le prestige 2 avec les elfes, franchement, j'ai bien kiffé. Le prestige 1, bon, bah, il est banal. Le prestige 3, Cupidon, enfin, avec le truc Cupidon, ça bof. Le prestige 4, il est pas mal non plus, mais bof. Prestige 5, trop simple. Le prestige 6, pas trop non plus. Le prestige 7, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'on passait à l'or. Donc ça, c'est pas mal du tout. Après, j'aime pas trop. Le prestige 8, ça va, il est pas mal du tout. Le 9, il déchire avec les deux couteaux, comme ça. Le 10, avec l'aigle et le truc, je sais plus comment ça s'appelle. La couronne, là, en le truc, là. Super bien aussi. Et le prestige master, franchement, parfait. Parfait, franchement, il est super beau. Donc je suis déjà pressé d'être au moins un prestige... donc ça c'est le 10, 9, le prestige 8, je suis déjà pressé d'être le prestige 8 parce que voilà, c'est vraiment glorieux. Moi je suis là pour l'instant, je suis prestige 4. Donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le prestige c'est 45 niveaux avant de pouvoir passer prestige, de pouvoir passer le mode prestige. Et quand vous passez le mode prestige, vous perdez tous vos jetons de déblocage, plus tous les équipements de vos armes, tous les camouflages que vous avez placés à vos armes, vous perdez tout, faut tout replacer et tout remettre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si c'est le cas, ben, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, j'espère. Allez, ciao, peace.